Dans le langage courant, les notions de travail et d'emploi sont souvent confondues. Pour les économistes, ces deux termes ont des sens différents. Ainsi, le travail est une activité humaine qui produit des richesses matérielles, comme des biens, ou immatérielles, comme des services. Ce travail ne devient un emploi pour les économistes que s'il est rémunéré et déclaré. Un travail bénévole n'est pas considéré comme un emploi puisqu'il n'est pas rémunéré. Le travail au noir ou les activités illégales sont rémunérées, mais ne sont pas non plus considérées comme des emplois, car non déclarées. L'emploi ainsi défini peut être salarié ou non salarié. Un salarié est une personne qui travaille pour une organisation productive, entreprise, une administration publique, une association, par exemple, en échange d'un salaire. Un non-salarié ou travailleur indépendant travaille pour son propre compte et perçoit un revenu en fonction des bénéfices de son activité professionnelle. La population disposant d'un emploi ne constitue qu'une partie de la population totale. En effet, dans la population d'un pays, certains ne sont pas en âge de travailler. C'est notamment le cas de la population de moins de 15 ans. Pour les 15 ans et plus, on va considérer qu'ils sont tous en âge de travailler. La population de moins de 15 ans sera donc par définition considérée comme inactive. Cette population inactive est également augmentée d'une partie de la population en âge de travailler. Le reste fera partie de ce que l'on appelle la population active. Cette population inactive est globalement composée d'élèves, d'étudiants, de personnes au foyer, souvent des femmes, puis des retraités. De l'autre côté, la population active se caractérise par le fait qu'elle est composée de deux ensembles bien distincts, la population active occupée, celle qui dispose d'un emploi, et la population active inoccupée, les chômeurs. Depuis 1975, la population active en France s'est nettement accrue. Elle passe ainsi d'un peu plus de 22 500 000 personnes à peu près 28 500 000 personnes en 2012. La population active occupée, l'emploi donc, lui passe de 22 millions de personnes à peu près en 1975 à un effectif d'environ 25 700 000 personnes en 2011. Le graphique fait apparaître l'idée selon laquelle la population active en France sur la période retenue a augmenté plus vite que l'emploi. Du coup, l'écart entre les deux courbes s'est accru. Cet écart représente en fait le nombre de chômeurs. Comme dans le graphique précédent, on peut mesurer le nombre d'actifs et le nombre d'actifs occupés, c'est-à-dire d'emplois, en valeur absolue, c'est-à-dire en milliers. Ce type de mesure ne permet toutefois pas d'effectuer des comparaisons dans le temps et ou dans l'espace. C'est la raison pour laquelle les économistes proposent d'effectuer des mesures dites en valeur relative. On peut ainsi exprimer le nombre d'actifs relativement à la population totale ou à la population en âge de travailler. On obtient alors un taux d'activité que l'on exprime en pourcentage. On peut également calculer des taux d'activité par âge, par sexe, en adaptant la formule, évidemment. On peut aussi exprimer le nombre d'emplois relativement à la population totale ou à la population en âge de travailler. On obtient alors un taux d'emploi que l'on exprime aussi en pourcentage. On peut également calculer des taux d'emploi par âge, par sexe, en adaptant la formule. Ce nouveau graphique, qui présente cette fois-ci l'évolution des taux d'activité et des taux d'emploi en pourcentage, renvoie une image bien différente de celle que nous renvoyait le graphique exprimé en valeur absolue. Ainsi,
Il semblerait que les taux d'activité en France se soient très nettement réduits à partir du début des années 80 jusqu'au début des années 90 pour se stabiliser puis remonter ensuite légèrement depuis à peu près 2001. Pour le taux d'emploi, la chute est beaucoup plus forte et se prolonge jusque à la fin des années 1990, environ 1997, pour remonter ensuite, de façon également relativement sensible, jusqu'en 2012. En 1975, l'écart entre le taux d'activité et le taux d'emploi est de 2%. Ceci représente la part du chômage dans la population de 15 ans et plus, à ne pas confondre évidemment avec le taux de chômage que nous verrons dans un module suivant. En 2012, cette part du chômage dans la population de 15 ans et plus est passée à 5,6%. Il y a donc eu, sur l'ensemble de la période, une très nette augmentation de cette part, confirmant ainsi le graphique précédent. Pour mieux comprendre l'évolution de nos taux d'activité, examinons les détails par âge et par sexe. Tout d'abord, chez les jeunes, tant chez les hommes que chez les femmes, on assiste à une forte baisse des taux d'activité des jeunes de 15-24 ans jusqu'au milieu des années 90. Par contre, depuis cette date, ces taux d'activité semblent se redresser très légèrement. Dans la tranche d'âge des 25-49 ans, les évolutions sont très différentes selon le sexe. Ainsi, chez les hommes, les taux d'activité sont particulièrement élevés, au-delà de 95% en général, et n'évoluent quasiment pas. Par contre, chez les femmes de 25-49 ans, les taux d'activité se sont fortement accrus sur la période, débutant en 1975 aux environs de 60%, pour arriver en 2012 aux environs de 85%. C'est une évolution majeure ici du marché de l'emploi. Enfin, chez les actifs les plus âgés, on assiste aussi à des différences d'évolution entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, les taux d'activité chutent de façon sensible à partir du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90 pour se redresser ensuite sans toutefois retrouver leur niveau de 1975. Chez les femmes, par contre, la baisse des taux d'activité est plus modeste et le redressement beaucoup plus net à partir du début des années 90, sans que toutefois elle rattrape encore les taux d'activité des hommes les plus âgés.